Et yo les amis! Et de retour à la prison de la santé, super. On va te libérer. On va te libérer. Libéré d'Aco. De retour à pour vous jouer des tours. Déjà. Ah ouais. Moi, je suis trop content là. Un petit peu avec des invités très très quali. Monsieur Mathieu Bastaro. Salut les mecs, ça va? Bah, ça va au top hein. Et Monsieur OL. Comme on se retrouve, tu connais déjà le reste. Je suis totalement au max, ça va ou quoi les bah les gars, top hein, au top, au top, on parle, on est là, on est bien reçu, ça parle manga, qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors, que demande le peuple? On est là pour jouer un petit bac, est-ce que tu peux nous rappeler rapidos les règles? Les règles, pour ceux qui n'ont pas eu le bac justement. On se retrouvera, je promets, on se retrouvera. Petit bac, donc un jeu où il faut trouver des mots qui correspondent à des catégories. Mais aujourd'hui, on a des catégories un peu spéciales. Mm-hmm. Un peu spéciales parce qu'elles seront autour du sport et du manga. Du manga, mais sportif, tu vois. La thématique de la journée. Ok. Donc on va se faire les lettres dans la tête, on va nous dire stop, puis on commencera. Petit bac classique, quoi. Avec une première manche, c'est 2 minutes de réflexion. Est-ce qu'on peut découvrir les catégories? Découvrir les catégories sous vos yeux ébahis. Alors, première catégorie, c'est le nom de ton équipe dans Captain Tsubasa. Donc dans Olive et Tom pour les, si t'avais une équipe. Les clubs de Rotien. Oui, ouais, c'est pas les mêmes. Si toi, t'avais créé une équipe, si on dit demain, toi, tu dois reprendre le manga et tu dois créer ton équipe, comment tu l'appellerais? De moi-même. Ouais, oui, on doit créer, on est dans la création pure. On est dans la création. Donc avec la lettre que tu auras, tu crées ton équipe dans Captain Tsubasa. Et peut-être un peu pitcher l'équipe. Qu'est-ce qu'elle fait, voilà. c'est quoi le dièse. Ensuite. Okay. Inventer un manga sportif plus pitch, pareil. Si on te donne le... On te donne... Déjà trouver un sport. Oui. Il n'y a jamais eu de manga de curling. Moi, je l'appellerais Curling Power ou le mec. Un petit pitch vite fait de ça serait quoi le, tu vois. Ça serait quoi le dièse? Okay. Phrase de coach qui remotive le héros. Il y a toujours une phrase clé un peu, au moment donné où tu sens qu'il va... il perd le nindo. Ok. Et enfin, inventer une figure dans Yuri on Ice. Ça vous va? Est-ce que vous connaissez... vous connaissez ce manga? Oui, c'est... Du patinage. Patinage artistique. Vous l'avez déjà regardé un petit peu ou pas? Non. Okay. Et ben, tant mieux. Comme ça, on pourra pas vous piéger. On pourra pas vous piéger. Est-ce que ça vous va, les gars? Oui, allons-en. Super, calme. Okay. Chacun prend sa petite feuille. D'accord. Allez. Hop, les gars, chacun prend sa feuille. Moi, je touche pas vos feuilles. Hein. Y a Covid, les gars. Et ensuite, on va balancer une lettre et on a 2 minutes pour trouver les réponses. Exactement. Dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que tu fais l'alphabet dans ta tête? Je fais l'alphabet dans ma tête. Tu connais l'alphabet? Je connais l'alphabet. Allez, vas-y, tu me dis top quand t'es chaud. Stop! Ça sera le S. La lettre S. Et le chrono est parti, on a 2 minutes donc. En tout cas, l'ambiance est studieuse. J'aime ça. La musique est sur le live.
Très bien. Je comprends bien là le nom de ton équipe dans Captain Tsubasa. Ça va commencer par S. Mais il n'y a pas d'équipe qui commence par S. Il faut que tu la crées, frère. Il l'invente, frère. Donc je l'invente, ok. Voilà. Invente ton équipe. J'ai inventé. Non, moi je suis bon, moi. J'avais dit bon aussi, moi. De toute manière. Mathieu, t'es comment? Ouais, ça va. Je pense que je suis pas mal. Diff, t'es bon? Allons-en, vas-y, vas-y. Allons-en. Alors, ok. Non, ça se termine. Ah, mais il y a des gens dans le chat. Est-ce que vous avez des réponses aussi? Les gens sont en direct avec nous? N'hésitez pas à donner vos réponses. Alors, nom de ton équipe dans Captain Tsubasa. Qu'est-ce que t'as comme équipe? Moi, j'ai les STO, qui sont les salades, tomates, oignons. Ah! Qui est une équipe grecque. C'est une équipe grecque. Une équipe grecque. Très bien, très très bien. Exactement. Ouais. Moi, j'ai la Sarco Team. C'est une équipe, en fait, ils achètent les arbitres, ils surfacturent les places. D'accord, ça fait de la moula. Ça fait de la moula. Très bien, très bien. Moi, j'ai mis la Snake Team. C'est une équipe très vicieuse. Et genre, leur logo, c'est un petit serpent. Ouais, petit serpent, tu vois, petite vipère. Maillot vert et tout. J'aime ça. Moi, je l'aime. Elle pourrait vraiment être dans le manga. Moi, j'ai mis la Soho. Parce qu'il y avait la Toho. c'est la Toho avec AS. C'est une version copiée un peu. Il y a qui dans l'assaut? C'est un peu les mêmes en. Il y a Mark Sanders. Il y a Danny Cello. C'est que des. Non, ils sont plus obscurs. Je les aime bien, moi, je les aime bien. Vous et avez quoi, vous? Il y a quoi? C'est beau. Si vous avez des équipes en S, dites-nous un petit peu. La Snipe Team, pas mal ça, j'aime bien la Snipe Team. Inventer un manga sportif plus le pitcher. Moi j'ai la Swing Academia, c'est un manga sur le golf. Ah. Parce que tu vois, alors je me suis dit. Le golf, en vrai, il y a des bails à faire. Hein. Je me suis dit, tu vois, tu sais, quand dans Olivier Tom, dans Captain Tsubasa, quand les ballons ils partent, ça se déforme et tout, il y a les commentateurs avec, et tout. Avec le golf, tu pourrais faire, golf, tu pourrais faire des vrais bails. Ça part après le trou, ça revient. Tac, 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 tac. Ouais, très bon. Très bon, très bon, je suis fier de moi. J'aime bien. Moi j'ai Saut à l'élastique Demon. Vas-y, pitch-nous ça. Attends. Le sport est pas ouf, mais les gars, en fait, c'est des démons. D'accord. Et en fait, ils ont un peu. Tu sais, ils ont un truc un peu. Ils peuvent élastiquer leur corps, tu vois. C'est bancal, hein. C'est très bancal, le pitch. Le pitch est bancal. Je vais appeler un mangaka pour qu'il m'aide là-dessus. T'as quoi, Mathieu? Moi, Surfing Neo. Aïe. Ah! Bah, Neo, parce que j'avais pas de nom, j'ai pensé à Matrix. Neo. Et non, c'est un petit japonais qui débarque à Hawaï avec ses parents, son père est muté. Il sait pas trop quoi faire, il voit une belle métisse en train de surfer, donc il veut la séduire. Ouais. Donc il se met au surf, au début il galère et après, il devient chaud. Voilà, il y a toujours un balèze là qui un peu avec son corps plein d'huile là, il dit oh, toi t'es nul. Tu vas rien faire et après compétition. En vrai, le manga, je suis sûr que je le regarderai moi. Mais t'as vachement écrit là, 2 minutes. Hein. J'étais dans la zone. Il y a Kazé qui vient de mettre une option. Hein. Fais attention, ça va signer. On discute après. On discute après. Non, mais en vrai, ça, je te jure, tu le vends. Hein. Après, le mec, il arrive à mettre son énergie dans sa planche, machin, voilà, il cherche la vague légendaire. Au début, il trouve la planche élue. La planche élue. Est-ce qu'on se rendrait pas compte à la fin qu'en fait, son père, c'était un champion de surf depuis? Exactement, machin. On connaît. Très bon. Vous voulez ramener les contrats tout de suite en régie ou pas? Il veut une avance. Ouais. Attends, Diff, là, il a mis la barre haute. Ne fais pas un saut. Ouais, non, c'est Sexy Bowl. Sexy Ball, c'est un peu comme. Ça veut dire que c'est mixte. Tu vois, et le gardien est une gardienne. Et c'est du foot. C'est du foot, mais c'est un show de jeu, c'est quoi? C'est. C'est un peu en taille. Bon, c'est une gardienne. Et surtout dans les vestiaires. Et puis ça se joue à 5 contre 5, c'est des gardiennes. Et puis c'est des joueurs. Et en fait, tu dois marquer du zizi. Il y a Kazé qui s'en va. Voilà le manga. Et ben moi, je vais plutôt regarder le manga de surf. Alors phrase de coach qui remotive le héros. Moi, j'en ai une un peu stylée. S'arrêter avant la fin du chemin, c'est ne pas avoir emprunté le chemin. Flinguer ton coach, mon gars. Non, parce qu'en fait, attends, je te dis.
C'est dans ton manga. C'est très Francis Lalanne. Le mec, c'est la veille de la compétition. Il s'est entraîné au surf de ouf. Et il y a son, c'est un vieux surfeur qui l'aide un peu. Il a une longue barbe comme ça. C'est un Tahitien avec des tatouages et tout. Et il veut arrêter. Il n'y arrive pas et tout. Et l'autre, il lui dit s'arrêter avant la fin du chemin. C'est ne pas avoir emprunté le chemin. Et il part comme ça. Et lui, il s'entraîne toute la nuit. Et le lendemain, il gagne. Tu vois le truc. C'est ça qu'il y a avec deux tomes dans ton gars. Petit générique. Toucher le soleil. Ouais, bien sûr. Et il rescotche sa planche qui était cassée. Ouais. Et il y va le lendemain. Allez, ça passe. Moi, je trouve que ça passe. Moi, j'ai mis un truc tout simple. J'ai mis Sublime-toi. Ouais, c'est vrai. Classique. Ça c'est marche. Au moment, ouais, c'est voilà. Le moment, le climax. Ah, ça marche très bien. Dans les dernières minutes là, où on a besoin de toi, voilà. Moi le coach, il est un peu comme Roberto, mais là il s'appelle Roberto Rocco. Il est louche, hein. Déjà Roberto. Il s'appelle Rocco et depuis le banc de touche, il crie pas mollir. Il dit quoi? Pas mollir. C'est même pas un S. Ah, il est où le S? Il est où le S? Ok. Merci pour cette. J'ai bugué. Mais dans pas il y a un S, tu vois. Ouais, c'est pas mollir. C'est pas mollir. C'est pas mollir. Ok, c'est pas mollir. Okay. Allez, ça marche. Moi j'ai. Si tu veux pas pour toi, fais pour ton père, Jim. Pourquoi Jim? Je sais pas, il s'appelle Jim. C'est un surfeur, tu vois. On est dans le surf aussi. Ah ouais, j'ai pris les mêmes. Tu nous as tous matrixés avec ton surf. Ouais, celle-là m'a pas trop convaincu. Mais pour ton père, pourquoi pas? Allez, inventer une figure dans Yuri on Ice. Moi, j'ai le sauter décalé. Ah, pas mal. Il y a un petit saut. Coupé décalé, mais en sauté. Un petit saut, tu vois, avec des petits moves de dansant, quoi. D'accord. Et ben moi, ça serait le sans les yep. À un moment donné, il saute et il glisse avec ses mains. Okay. Trip axel avec les mains. C'est lourd, ça. Le sans les yep est pas mal. Moi, j'ai mis silver flip. Voilà, un truc un peu. Genre, il ou elle saute et genre, c'est un truc de ouf. Bon, il y a le golden flip. Ouais, c'est juste avant, bien sûr. Il met toujours des golden, des silver. Ouais, voilà, exact. Les mangas, on connaît. Sur la planche, toujours. Moi, ça serait la slide freeze catapulte. Lourd. Tu glisses et puis tu glisses sur le freeze. Et puis et à la fin, tu te catapultes et tu repars en l'air. Très, très lourd. Très, très lourd. Très bon, très, très bon. Et bien, une belle première manche. Vous n'avez pas déçu pour l'instant. Vous n'avez pas déçu. Qu'est-ce que vous avez pensé dans le chat? C'est un crack qui a vu le massacre de l'arc de Shibuya. Berserk, ah oui, ils sont en train de parler de Berserk, les gars. En fait, ils nous écoutent pas du tout. Ouais, Ils sont dans leur bail. Allez. Ok. Tu fais l'alphabet. Vas-y. A. Stop. Ah non, elle est trop compliquée. C'est. Bah, je prends la celle d'à côté. L. C'était le cas, frère. On peut envoyer le chrono. La lettre L. Superman.
Ok, moi je suis pas mal. C'est bon ? Diff. C'est fini. Et c'est fini, les amis. Le petit chrono. La lettre L. Qu'est-ce qu'on a, Diff, pour le nom de ton équipe de Captain Tsubasa ? La. C'est le chiant. La. Tu comprendras quand tu verras le sport. Ah, c'est en continuité. Ouais, c'est en continuité. C'est bon, j'ai compris. J'ai peur. Moi, c'est la Luffy FC. En fait, c'est Luffy qui ramène sa team en fait avec Nami au village. Tous les Nakamas. En plus, ils sont bientôt presque l'équipe complète. Et je pense qu'en vrai, il serait pas mal. Tu imagines le feu au cage ? Impossible de marquer. Ouais, ce serait compliqué. Moi, j'ai le Losa FC. C'est une équipe de gars pas sympas, tu vois. Des gars pas clairs. C'est tous les méchants des... Le Losa FC, ouais, c'est ça. C'est Diff le capitaine. Vas-y. Badass. Balafré. C'est ça. Balafré. Ou les bails en calbar. Moi, j'ai mis les Loser Men. En fait, ils sont nuls de fou. Ils sont éclatés au début. Ah, ils deviennent forts. Et après, ils deviennent forts. Ils vont dans les pitchs. Ils cherchent vraiment avant quelque chose. Mathieu, il est venu Bicraft. Cherche à Bicraft quelque chose, hein, en régie. Il a des pitchs, Mathieu. Il reste pas beaucoup d'années de rugby devant moi. Il est sur la suite. Il y a encore des crédits à payer. J'ai l'impression que t'as bossé des pitchs. Parce que le surf, t'aurais jamais eu le temps d'écrire autant. C'est sûr que t'as taffé chez toi. Avec 2 minutes. Alors, inventer un manga sportif plus qu'est-ce pitch. Qu'est-ce que t'as, toi ? Pardon ? T'as quoi comme manga ? Moi, j'ai lancé Diablo Quest. C'est une quête pour... voilà, faut trouver le... Le javelot ultime. Le One Javelot. Le javelot One. Un jour, ils ont dit... Hey, un javelot dans l'univers. Oui, allez, c'est du plagiat. Moi, c'est Lab Dance Fire. C'est un hentai aussi. On va changer le nom de cette catégorie. On va mettre inventer un hentai aussi. C'est du lab dance et en fait, ils cherchent la meilleure danseuse qui arrive à enflammer la barre, quoi. Tu vois. Voilà. Pas plus de enflammer la barre, c'est une belle métaphore. Bravo. T'as quoi, Mathieu ? Moi, j'ai mis Little Girl. Voilà, gros pitch. comme d'hab, on est sur un pitch. Non, c'est sur le basket féminin. Tu m'as dit à chaque fois. Hein. Genre, elle est trop petite et en fait, elle est hyper technique et tu sais, c'est un peu une Kuroko, tu vois. C'est un peu Muggsy Bogues. Voilà, c'est elle la reine du game. Voilà. Et au final, elle est tellement... Ah ouais, mais c'est dingue. Elle doit t'a fait une détente de ouf et tout. Tu vas finir par en vendre un. Hein. Ah, c'est sûr. Ah, c'est il y en a un qui va passer, les gars. Il y en a un qui va passer, là. Moi, sinon, c'est moi qui l'ai. Moi, j'optionne les deux, déjà, pour l'instant. Ouais. Allez, Diff. Diff. Moi, c'est low music. Ça veut dire, ça consiste à... Tu dois chanter le plus mal possible. Là où ouais, ça doit être d'où les là. D'accord. Ouais. tu dois être c'est des bonnes voix, ouais. Mais tu dois chanter mal et ils doivent chanter exprès mal et la chanson la plus éclatée de l'histoire, voilà, gagnera. Qui fait que voilà. Bah écoute. Ça va ? Alors, phrase de coach. Phrase de coach qui remotive le héros. Moi ouais, j'avais loser. Sera toujours un loser. Comme ton père! Parce qu'il aime bien toujours les darons. C'est Jim, c'est le même. Ouais. Comme ton père, Jim. Moi, j'ai un truc un peu dans le même esprit. J'ai la vie de ma mère, t'es éclaté. Vas-y, barre-toi, jamais un coach qui va dire ça. Ah, mais s'il dit ça, il te pique un peu. Ouais, il te regarde, il dit la vie de ma mère, t'es éclaté. le héros, il peut un peu se chauffer, tu vois. Ouais. Moi, j'ai mis lève-toi et va. Ah. Un peu avec petite musique un peu ouais. Non, mais oui, mais toi t'as déjà il est allongé, le soleil, t'as tout le ballon il est pas long, il est allongé, ouais. il repense il a pris un mauvais coup, ouais, ça. Une petite goutte de sang là, c'est le coach. qui est mort, il le voit, ouais, un peu dans ses pensées, ouais. Bien sûr, l'arbitre aurait dû siffler mais il l'a pas fait. Laser mis. Vous êtes venu pour hasard dans les catégories. Vous êtes venu pourquoi? Non, mais il est collé, il est tout collé.
Vas-y, Army, tout gars, collé, donc c'est un. Mais t'écris tes réponses et après tu les dispatches comme au hasard ou comme. Vas-y, Army, mon gars. Ok, ça va. Le... Inventer une figure dans Yuri on Ice. Moi, j'ai le loup Béga. Ah! Qui consiste à avoir un chapeau et à faire 1, 2, 3, 4, 5 et boum, tu lances ton truc. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Pas mal. Mais moi, j'ai le lâcher de slip. En fait, c'est le gars, il fait un flip. Ok. Et il arrive à enlever son slip. Ah, la culotte est béton comme ça à chaque fois. Et genre. Et bam, il retombe dessus. Genre, c'est un peu une technique un peu. De pervers. Un peu de pervers. D'accord. Du riz, un ice, une taille. Moi, j'ai mis le lucky jump. Ah. C'est genre, c'est un saut, tu peux le réussir une fois sur deux. Mais si tu le réussis pas, tu meurs. Ah ouais. Tu tombes sur le cou, crac. Ouais. petit bonheur à la chance. Un petit bonheur à la chance. Un saut loto. Ouais, voilà. Mais faut avoir, ouais, faudra du courage pour y aller. Voilà, exactement. Sale fin. Moi, c'est lap dance en doudoune. On entend ton manager rire. On entend ton manager rire. Tellement t'as dû lui proposer en vrai ça. C'est sûr, la dance en doudoune, tu l'as déjà proposé. Pour toi, la doudoune, c'est parce qu'ils sont sur une patinoire, c'est ça? Ouais, il fait froid. C'est justifié. C'est justifié. C'est érotique, tu vois. C'est beau. C'est n'importe quoi, mais c'est beau. C'est n'importe quoi, mais ça fait plaisir au peuple. Ok. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une dernière? On se fait une dernière lettre? C'est une dernière lettre. On se fait une dernière lettre, là faut tout donner les gars. Allons-y, allons-en. Et j'ai peur des réponses de Diff en avance. Tu fais l'alphabet? Allez, je fais l'alphabet. Je laisse mariner un peu. Stop! Ça sera le C. On peut lancer le chrono. Allez, 10 secondes, les gars. Moi, je suis bon de fou. Du coup, il y a combien de chefs d'accusation contre Watt? 70. 60. Ouais. Ah oui, tu vas prendre... escroquerie en bande organisée. Ouais. Jeu d'argent. Tout, quoi. Mauvais. Il y a tout. Ça va, les gars, c'est bon? La complète. Ouais, c'est bon, ouais. Diff, t'as coquiné. Parce que, oui, allons-en. Bah... Alors, le nom de ton équipe d'un Captain Tsubasa, Mathieu, t'as quoi? J'ai mis les Cristoliens.
Aïe. 9-4. 9-4 connexion. Voilà. Ils sont dans quel ah, en foot ils sont pas mauvais en plus, Créteil. Ils sont en national. Ouais, national, mais ça va, c'est pas ça passe. Ils ont été en Ligue 2 quand on était petit. Non, quand on était petit, ils étaient en Ligue 2, ouais. C'était un peu l'équipe, on misait dessus, puis ils ont été rachetés par Lusitano, ça c'était exact. j'avais fait ramasseur de balles un jour. Du Vauchel, bien sûr. C'était un des plus beaux jours de mon enfance. Autant dire que ton enfance était pas terrible. Alors, Diff. Courcouronne. Ah, bah voilà. 91 en Tilana, là où j'ai grandi. CNL, les vrais Courcouronne. Bah, Courcouronne. Et ben voilà. Ils sont comment en foot, Courcouronne? Courcouronne, on n'est pas trop une ville footballistique. C'est pas ouf. Comprends. Mais sinon, on sait jouer quand même. Ça joue. On joue, on dribble, quoi. On s'occupe. Ouais. Moi, j'ai les Chauds Lapins FC. Ah ouais. C'est des mecs, ils sont pas venus pour le ballon. Ouais, j'ai compris, t'as pas besoin de m'expliquer. Hein. Je l'avais. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de short. Et moi, j'avais les Colonels Réels. mais gratuitement, vraiment. C'est vraiment juste pour le placer. J'aime bien, je sais que ça fait. Enfin, ça provoque le rire en général. Mais bien sûr. Voilà. Même pas besoin de le justifier. Non, rien du tout. Ça suffira. Inventer un manga. Moi, j'ai le CrossFit and Fun. C'est un manga, ils font du crossfit et en même temps ils veulent être youtubeurs, donc ils font des fit and fun. Ouais. Ils savent pas encore sur quoi ils vont réussir à percer. C'est Boy in Shape, quoi. C'est Boy in Shape, exactement. Voilà. Et donc, okay. En fait, les mecs ils deviennent chauds au crossfit, mais en même temps ils font des blagues machin parce qu'il y a son pote qui lui dit non, mais en même temps faut qu'on ouvre une chaîne YouTube, nanana, et ça commence à devenir une resta dans tout le Japon et tout, voilà. Autour du crossfit, et bien sûr, ensuite il va avoir un rival. Qui sera le. Voilà. Donc c'est cardio, quoi. C'est cardio. Cardio. Pas de temps de pause. Mathieu, moi j'ai mis catch attack. Catch sur attack. Le catch. Mortel. Il y a eu des mangas de catch ou pas? Je crois pas. Hein. C'est fou qu'il n'y ait pas eu de mangas de catch. Je suis pas sûr. Hein. Je dirais non. Et ma catch attack, ça a l'air sympa. Mais je n'ai pas la science infuse. Ça marche. Diff. Moi c'est cache-cache dans une boutique de lingerie. Non, mais c'est excellent comme manga. Et ça va dire tout le manga sur cette partie de cache-cache. En se cachant. Oui, c'est caché derrière les strings. Ah, les culottes. Comme le petit vieux dans Ranma 2000. Là, qui est... Ouais, d'accord. Okay, voilà, okay. Je veux lire de ce manga. Je veux lire ce manga. Et moi, j'avais rien, donc je vais dire Colonel Réel. Encore. Voilà. T'es moins un. C'est pour ça que t'es en tôle. Phrase de coach qui remotive le héros. Moi, j'avais. Changement, monsieur l'arbitre. Jim, tu sors. Non. Zi. Moi, j'en ai une, elle est simple, elle est efficace. Cheh. Orthographe, on sait pas si c'est H-E-H. Je décris. C'est un C. C'est un C. Et ben, moi, pour moi, il aurait dit, lui dit ça, l'autre, il est piqué et il va, tu vois. Bon, objection retenue. Moi, j'ai mis, c'est la dernière ligne droite. Ah, c'est pas mal ça. Tu vois. Ouais, mais bien sûr. Ça marche. Toi, t'es fort en phrase de coach. T'as eu des ouais, phrases de coach. J'ai l'habitude, toute ta vie, ouais, bien sûr. J'en ai bouffé, moi, de la phrase de coach. Moi, j'ai mis coucou. Ça, c'est dans cache-cache. Ma mère, il joue pas avec nous. Il a sa partie. Il est dans cache-cache. Il était dans son cache-cache. J'ai compris, mais il joue pas avec nous, là. Il est sorti comme ça d'un rayon. Coucou. Avec un slip sur la tête. Coucou. Avec une culotte sur la tête. Inventer une figure dans Yuri on Ice. Alors moi, j'avais le correcteur d'orthographe. Ok. C'est genre, c'est pas ce qu'il fait ou qu'elle fait. À la fin, sur la glace, il y a marqué T9. C'est nul. Ma mère, c'est nul. C'est trop bien, mec. Tu sais pas, tu sais pas où ça part. Un T, déjà, ça se voit. Elle va faire tout droit comme mais ça. Mais non, parce qu'elle a une technique incroyable. C'est. Enfin, écrit T9. Ok. Moi, j'ai le crapaud givré. Alors, explique-nous. Bah, il fait un saut de crapaud. Ouais. Mais un crapaud un peu ouf, tu vois. Et givré, parce qu'on est sur glace. Ok. Voilà. Très bien. Moi, je suis assez fier de cette réponse. Moi aussi, je suis très fier de cette réponse. Moi, j'ai mis le Cali backflip. C'est genre, elle fait un backflip. Ouais. Et avec le, tu vois, la figure, ça dessine un soleil. Okay. Tu vois, okay. Et ça te fait penser à la Californie. Allez,
Presque aussi bien que tes neufs. Diff. Diff. La culotte. C'est la culotte. Non, c'est le corbeau invisible. Ah. Ah. C'est celui de Nicky Larson. Bah oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on le voit pas. Ouais. Bien sûr. C'est bon. C'est le. Donc il se casse la gueule, il y a le corbeau qui arrive. Très très magnifique. Bon. Les gars, ça a joué subtil. C'était fin, c'était beau. Ça a joué à son rythme. Diff est venu. Ça a joué tout seul des fois. Non. Voilà, j'étais avec vous les gars. Ça a, joué... ça a répondu à des questions. C'est voilà. Venu dire des choses. C'est venu passer choses. Des messages. Il y a eu des belles choses aujourd'hui. En tout cas, moi, je me suis extrêmement bien amusé. Ah, je me suis régalé. Je me suis tellement régalé que je vais revenir demain, tiens. Moi, je vais revenir demain. On sera là demain. Les potes, on vous retrouve encore sur le festival ou c'est non, comment pas pour moi. C'est bon, vous êtes. Ouais. C'est possible que je passe faire un tour tranquille. De toute façon, t'es à la maison. Ça dit que de ça, petit. Téléportation, c'est rapide. On est là, c'est rapide. Mathieu, c'est comment la reprise bientôt? J'espère. Convalescence. La saison s'est terminée hier. Il y a Toulouse qui a gagné le championnat. Ah, bah, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Ils ont fait le doublé en plus. Ouais. Enfin, deux doublés, c'est-à-dire deux fois champion de France. Et cette année, ils ont fait champion d'Europe, champion de France. On les salue. Ça fait des suites. Hein. Et non, j'espère reprendre là d'ici la fin de l'été pour pouvoir recommencer la saison en septembre. Et bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. En paix. Un bel été en paix. Ouais, moi, je reprends la saison en septembre aussi. Saison des Grecs. Avec Toulouse. Ouais. Toulouse Kebab Football Club. Merci les amis, merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Moi, je me suis régalé. Plaisir, on s'est régalé. Et on se voit demain. Rendez-vous à gérer pour tes mangas là, hein, parce que là, je crois qu'ils sont comme des ouvriers. Ouais, mais je les vois. Je vois les yeux intéressés. J'arrive. Merci à tous. N'hésitez pas à venir demain. Et restez connectés, il y a plein de choses qui arrivent là. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a un programme fou, le festival continue dans la joie et la bonne humeur. Allez, on se voit très vite. Ciao à tout le monde.